autour, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Bouh. En fait, je t'explique. Il y a le procureur, il est là-bas et je veux le kidnapper, ce fils de pute. Pourquoi ? Parce que ce fils de pute, il m'a fait la misère. C'est à cause de lui tout ça, ce qui est arrivé. Il avait une haine contre moi personnellement. Il m'a dit que j'allais tout payer. Il a demandé 30 ans à mon encontre. Si je suis là à cause de lui aujourd'hui, c'est à cause de lui. Du coup, ok, mais tu crois vraiment que c'est le meilleur moment là ? Non, pas maintenant. J'ai mis deux gars qui sont en bas, qui l'ont en visuel parce que c'est très compliqué de le voir en ville. Et qui vont suivre le cortège de loin. Et dès que ça sera tout fini, que lui... En fait, ils vont le suivre tout au long, jusqu'à que tout est fini, tu vois ou pas? Mm-hmm. Et après, on tape. Il y a Camilia et un autre gars qui est sur le coup. Super idée, ça, Lorio. Quoi? Ah oui, c'est une bonne idée. Pourquoi mettre deux gars qui... Non, tonton, il était... Je le connais, tonton Miguel. Enfin, pas tonton, pas le gros tonton. Tonton, à toi. Mon oncle à moi? Non, tonton. Je le connais. Oui, oui. Ben, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est le moment opportun. Mais non! Oh là là! Mais écoute-moi. Miguel, tu m'écoutes attentivement. On va pas le péter pendant le défilé. D'accord? On attend que tout soit fini. C'est pour ça qu'il y a deux gars qui sont juste en repérage, qui le repèrent lui et qui attendent. Tu vois? Ils vont rien faire. Ils vont pas le péter maintenant. Quand tout sera terminé, qu'il sera parti du commissariat, il sera parti faire sa vie, et ben à ce moment-là, on va le péter. Tu vois ou pas? Tu comprends? Oui, oui, très bonne idée. Je casse les couilles, vraiment. Non, c'est vrai, c'est une bonne idée. Non, je te jure, c'est pas une bonne idée parce que tu es en train de me dire là, c'est pas une bonne idée. Si, c'est une bonne idée. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas un meilleur jour pour le kidnapper qu'aujourd'hui. Ah non. Ah, Miguel, oui. Ce gars-là, c'est un fantôme. Mm-hmm. On le voit jamais, à part au commissariat ou au tribunal. D'accord. Comment tu veux que je le chope? Bah oui, là, ici. Parfait, là c'est, enfin, parfait ce soir, c'est bien, c'est une bonne idée. Ce soir, pas ici. Oui, c'est une très bonne idée. On attend le cortège, la fin. Il t'a envoyé deux ombrés qui le suivent discretos. Oui. Oui, parfait. Va te faire enculer, pourquoi tu me dis pas directement ce que tu penses? Ben c'est une idée de merde. Bah et dis-moi pourquoi et dis-moi comment. Ben pourquoi ils vont se faire griller bien avant déjà, premièrement. Non, ils sont pas grillés, depuis tout à l'heure ils sont là. Oui, d'accord, mais. Ils sont pas dans le cortège, ils sont à l'extérieur. Ils sont d'accord. Au-dessus du rocher, oui, là-bas. D'accord, ta mère. Mais quand ils vont prendre une voiture, ils vont faire comment pour le suivre? Ils vont suivre le cortège de loin, en voiture, de loin. Oui, et ok, et s'ils sont assez loin pour le perdre, si, ils vont faire comment? Ils sont grillés. D'accord, ben oui. Au moins on aura essayé. Oui, d'accord, ok, ça marche. C'est mieux que de passer sa soirée à chercher un fantôme. On en repart dans une heure, d'accord? C'est bon? Ok. Super. Mais c'est mieux que passer sa soirée à chercher un fantôme. Oui. T'as repéré la route, t'as vu? Non, il est de votre côté de la route. Il est dans un des 4x4 à côté du bus, celui qui est tout de suite à sa gauche. Miam. Ça va, Alvarez? Vous le voyez? Oui, Alvarez, tu m'entends? Alvarez? Qui est dans le 4x4 de shérif? Si, à la gauche du bus. Ah, voilà, ouais, c'est ça qui te regarde. Ouais, il est dedans, il est derrière. Okay. Oh, suivez de loin. Oui, Alvarez. Suivez pas le cortège, suivez. Arrête de m'appeler comme ça. Tout va bien? Ouais. Les avions qui font des fumées. Très loin. Surtout Lorio. Ah ouais? Lorio, tu cries, cabron. Ah bah depuis tout à l'heure, tu criais, j'en ai marre de ce. Non, je criais pas, je te promets que je criais pas. Si, je te promets. Très 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 loin. Oui, mais là, regarde, là je chuchote. Tu m'entends, je chuchote. Bah, ouais, attention. Bah, comment faire? Tu es une sale merde. Mais comment je fais? Je chuchote, là je parle doucement. Il aurait dû écouter Pipas. En plus, ça, on a un truc à faire. On a quoi à faire? On doit soulever les balas qui sont hier, ils ont décidé de tirer sur les Vagos. Mm-hmm. Comme ça, sans but ni rien. Non, c'est pas sans but, c'est la guerre entre les balas et les Vagos, tu es con ou quoi? Non, mais t'as compris, genre. Non, j'ai pas compris. Ok, bon, c'est la guerre. Bah oui, c'est la guerre, ça a toujours été la guerre avec les balas. Ok, c'est la guerre. C'est bizarre, ensuite, toi. Ensuite, il y a un braquage de banque qui est prévu. Ensuite. On doit faire une petite livraison de droga quand même. Ensuite, il y a le procureur à choper. Et ensuite, on verra. T'as entendu? Oui, Armano, oui, entendu. Ah non, et ensuite, je dois miser 500 000 dollars sur le rouge. D'accord. On va voir si le rat il répond, pour que, comme ça on avance. Mais je sais pas s'il répond. Le rat il répond pas.
Buffalo, là, Buffalo, revenez, revenez. Mais je suis arrivé un peu tard là, je sais pas si Zipper il sera encore là. Regarde où ? On est juste derrière, c'est nous la côte nord. Et je pense que dans tous les cas, les va des soirs là, vu le dispositif. Je vais sauter. Non, non, arrête, 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 arrête. Y'en ai marre de ma vie de merde. Arrête, mais non, c'est de la triche. Non, j'ai sauvé Miguel. Mais comment je t'ai porté? Comment de la triche? Je t'ai porté? J'étais derrière toi, je t'ai porté. Oui, c'est vrai, mais bon. Tout est chiant. Bon, bon. Ok. Bon, vas-y, on va pas le faire ce soir, le procureur, c'est bon. Oui, ah, c'est vrai? Ouais, j'ai décidé. D'accord. Parce que y a des trucs à faire avant le chauffeur. Oui, je pense que c'est une meilleure idée ça, Lorio. Après, comme tu veux, si tu veux, on peut passer une heure à rien faire et à observer, hein. Comme tu veux, Lorio. Mais attends, 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 filmez au moins. Akil, reste à l'affût et nous on arrive, ok? On respecte les événements. Mais... Oui, oui, bien sûr. Je sais que t'as envie de partir, là. Parce que tu t'ennuies et que t'en as marre. Bah, il aime pas quand il y a beaucoup de gens. Donne-moi un Diabolo Kiwi, Cabronita. J'ai un braquage, j'ai un braquage, j'ai un braquage. Diabolo Kiwi. Braquage ou braquage? Il y a un braquage, j'ai un braquage. Là, il y a un mec. Oh non, mais il y a pas que ça à faire de me faire braquer. Oh, ah. Là, juste là, là. Je veux le sauter. Je veux le sauter. Je veux sauter la fille. Je veux tout faire. Pourquoi les faire négocier? J'ai jamais négocié. J'ai acheté qu'une voiture dans ma vie, moi. Ouais, je t'attends. Quoi, les bousons? Mario, t'es où? Arrêtez de faire les héros, arrêtez de faire les héros, les mecs qui sont allongés dans les buissons. Coach avec nous. Dans le casino. Mais moi, je suis au casino, il me fait braquer. Ouais, j'en ai marre, il y a des mecs qui braquent. Oh putain, c'est le mec avec le fusil de chasse, toi. Quoi, il se passe quoi, Raju? Monsieur Lino. Attends, on s'est fait braquer par une cabronne avec une fusil de 1948. Où ça? Allez, allez, allez. Calmez-vous. Sur le balcon. Ah, calmez-vous, sinon on va vous tirer dessus là. C'est bon, c'est bon, laisse, ça va. Il va se faire maîtriser dans 3 minutes, t'inquiète pas. Je vous jure que je n'ai aucune peine à tuer n'importe qui ici. On ouvre le feu, on ouvre le feu. Et Hermano, tu vas tirer une balle, tu vas rechercher pendant 10 minutes. Rendez-vous, monsieur, vous êtes cerné. Je veux parler à monsieur Ted Brooks. La question c'est, est-ce que ça va tirer? Eh ben, prenez rendez-vous avec le visionnaire. S'il faut l'arme, avec c'est bien sûr, on vous attend. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Faites rien, faites rien. On se fout comme ça dans personne, cette ville. Personne, personne ne calcule le nom. Non, non, faites rien, laisse. Voyons. Ça fait des années. Si on va faire les démarches pour juste baisser votre arme. C'est pas nos affaires, cabron. Votre arme, monsieur. Il y a un sniper là-haut, là. On a votre ami. On a votre ami. Vous voulez votre ami ou baissez votre arme? Monsieur O'Neill, je viens du Nord. Je viens du Nord, monsieur O'Neill. On se connaît. Regardez. Écoutez. Là, dites-vous entre vous, si vous tentez de tirer sur quelqu'un, on vous abat directement. Tiens, pour rien à part. Bon, moi, je m'en vais, au revoir. Attendez, au revoir, les Armano, au revoir. Il s'en bat les couilles. Mais attends, mais. Ah, vas-y, bon retour, bon retour. J'aime bien la fête. C'est bon, il me surveillait. Vous m'entendez, vous? Oui, c'est bon. Si, 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 si. C'est lui, il m'entend pas. Oui, on t'entend. Ah, mais c'est Gonzalo la merde. Ouais, bien. Ça va, Gonzalo? Venez, on sort, parce qu'il y a une braquage là, venez. Bah déjà, ils s'entendent pas là. Il y a un braquage, et les poilus sont. Bah, ils sont en train de le braquer. Mais tu m'entends pas là? Si, on t'entend, cabron. On t'entend, la putain de ta mère. Nique ta mère, sale fils de pute, je vais te. Mais ça fait 20 minutes, t'es censé arriver toi aussi. C'est bon, je rigole. A tout à l'heure, les balas. Comment on sort? A tout à l'heure. Devant. Calvicia, il a cru que tu étais mort. Non, j'étais parti en business. En business, comme espèce de menteur. C'est la vie de ma mère, je mens. J'ai trouvé une meuf. Il est où, Gonzalo? Ah, il est là, Gonzalo. Les gars, les ça fait longtemps, il est pas insulté, rien pour ce cabron. Tout le casino. Ouais, c'est pour ça, on va pas. Montez au vide. Ça va ou quoi, Miguel? Ça raconte quoi? Il y a deux qui arrivent. Bah, derrière, ça raconte rien de spécial, franchement. Vous pouvez me prendre. Attends, il est où, Lorio? Il est où, Lorio? Viens, grimpe avec moi, grimpe. Pousse-toi, Camilla, il avait pété une cape. Pousse-toi. Camilla, pousse-toi. Camilla! Tu peux pas décoller ta poche? Il y a une troisième, il y a quatre coachés. Bah, on se rejoint au barrio, les gars. Ouais, parfait. Bon, oh, on fait plus ça. Non, mais Lorio, sérieusement, je fais rien de spécial. Je suis là. Voilà. Ok, bah, trouve-nous des armes. Dommage, c'est juste dommage. On a besoin de armes. Ouais. Des armes? Oui, c'est la pénurie. On n'a pas de armes. Tu pourras dire à Ricky qu'on a, que c'est la pénurie du côté des Vagos, qu'on n'a pas de arma. Ricky, c'est un fils de pute avec moi, Ricky.
Il me donne même pas l'heure. Il est arrivé, t'as enlevé ton business, t'as dit vas-y, nique ta mère. Non, non, là les drogues en gros, ils voulaient me le passer. Mais moi je voulais pas parce que c'est trop. Bah c'est trop compliqué. Moi je l'ai tenu juste le temps quand il était en vacances. Parce qu'il y avait personne. Mais voilà. Ok, ok, mais tu pourras lui dire que c'est la pénurie des armes pour nous et qu'il en a besoin. Ouais, vas-y, je vais lui dire, mais ça va rien changer, hein, je te mens pas. Merci, non mais juste dis-le. Vas-y, je vais lui dire. Merci. Mais pourquoi y a pas, il est où Gordon, il y a quelqu'un à sa place. Bah Gordon, non, hein, on n'a pas de nouvelles. Ouais, il est parti, mais il y a pas quelqu'un à sa place. Tu sais toi, Lorio? Oh, Lorio. Qu'est-ce qui c'est, Lorio? Lorio. Il est où, Guero? Ah merde, pardon. Pardon. Lorio, t'as changé de style à mort, hein, t'as changé du rag et tout. Mais bref, tout le monde, débrouille. Ouais. Vas-y, Gonzalo. On s'appelle. Ouais, je suis là. Vas-y, Armano, vas-y. De quoi? Mais c'est quoi? C'est un vagos, lui? Au revoir, madame. Je te rends chez la gauche. T'es un vagos, toi? Justement, c'était pour... Moi, je suis un... Si. Je suis un vagos. Comment ça, tu... Non, j'habite ici. J'habite là. C'est la Camilla me... Et tu dragues Camilla? Mais comment ça, je la drague? Il t'a dragué ou pas? Camilla, dis-lui. On a fait une course avec Camilla, Oscar. Camilla, il t'a dragué ou pas? Ça dépend si bisou dans le cou, c'est dragué. Bon, vas-y, lance. Ouah. Eh, hermano, wow. Désolé. C'est faux, elle a dit des bêtises. Mais non, Camilla, c'est pas une menteuse. Hein, que t'es pas une menteuse, Camilla? Jamais. C'est la vérité ou pas? J'avais mis dans la merde ou quoi? Attends, elle veut me mettre dans la merde. Mais bien sûr, mais un bisou dans le cou, ça va pas ou quoi? Et pourquoi? Déjà, comment il a eu la range pour te faire un bisou dans le cou? Il m'a dit, ils sont bons. Il m'approche. En fait, pour sentir. Ça va pas? Mais déjà, pourquoi tu te laisses sentir? Mais en fait, mais le truc, c'est quoi? C'est que j'ai des grosses babines. Oui, bah tes babines salées, tu les gardes dans ta boca et pas sur mon cou. Bon, écoute. Ouais. Nous, on va y aller. Tu refais un sniff ou un bisou à Camilla, tu es mort, t'as compris? C'est la chica du secondo, t'as bien compris? C'est moi le secondo. C'est bien entendu. Ah, c'est oui, ta chica? Oui, c'est ma chica et moi je suis le secondo des vagos. Ça veut dire tu fais le malin, il te baisse ta mère, tu es mort. T'as compris ou pas? D'accord. Hey, y'a pas de soucis. Ils ont pris ma voiture. C'est bon? Viens, j'ai une voiture si tu veux. J'ai passé à moi. Pousse-toi, Moreno. Excuse-moi. Et tiens, Thiago. Voilà. Là, vous avez merci, les clés. Hermano. Juste, prenez ce que vous avez à prendre. Prenez pas. Prenez juste les pistolets. Enfin, pistolet, vous avez compris. Mais là, on va faire quoi, là? On va soulever les palaces. Parce qu'ils ont tiré hier sur les autres. On va continuer notre guerre. Et après, on va faire. Camilla, elle a pas les clés aussi. Oh, d'ailleurs, pour la banque, maintenant que vous êtes tous là. Vas-y, tout le temps je trouve des plans, essayez de trouver des plans de votre côté. Oui, oh non, mais comment faire sans les plans de l'audio? Oui, bah mes plans, mais moi j'en propose des plans. Attends, mais oui, non, mais non, mais si on fait des plans nous, ça va marcher l'audio. Non, en vrai, vas-y, trouvez des plans. En vrai, trouvez un plan, trouvez juste un plan. Mais réfléchissez. À chaque fois on dit oui, après vous faites rien. Tu veux braquer ce soir? Santa Maria. Ouais, ce soir. Non, pas ce soir. Ah ouais? Sur la Santa Maria, que dès que tu parles, tu prévoyais toujours des braquages, ça a toujours pas changé. Bah, si tu veux faire une banque, on parle pas tous des armes alors. Non, on va faire les balas. Ah. C'est bon? Ok. Vas-y, là vous êtes en train de réfléchir là. Moi j'ai un plan, si tu veux. On fait le plan de Enzo? Le plan de façon, c'est quoi ça? Le plan de Enzo, vous connaissez pas? Gâteau monte. Non. Hermano. Parce que notre coach. El famoso. Ah, le plan. Ouais, ça. Gâteau. Mais non, tu veux pas ça. Le pauvre, tu imagines, on le fait là comme ça. Attends, il y avait une autre coachie. Pour une petite banque, genre, ça fait 4 ans qu'il le fait, pour une petite banque, on le fait. Y'a pas de coachie au parking? Ah, y'avait une autre coachie, putain. Non, en vrai, réfléchissez à un petit truc. Vous avez trouvé un plan? Un plan, c'était à dire. Pour le braquage? Un plan pour le braquage. Ah, c'est bon. Oscar, quoi, Léona? Ah, mais ils sont là. Recule. Ah ouais? Recule. Mais on les cherchait. Non, recule. Et on voulait les voir. Rour, d'accord. Non. Ah, viens, pas de voir. Vas-y, sors maintenant, sors. Mais on voulait voir les balas. Les Hermanos, c'est bon, on les a trouvés, ils sont en Blue Street. Depuis tout à l'heure, il y a un vagos qui fait que m'appeler. On les a trouvés! Ils sont en Blue Street, venez! Normal, on est au quartier, Comment ils s'appellent? Alors, tu fais moi le malin maintenant, cabron, hein? Mais t'es chez moi, si je veux, je te baise là! Bah, même en dehors, moi si je veux, je te baise! Tu crois que c'est la position géographique qui fait que tu es plus fort ou moins fort? Qu'est-ce qui j'ai devant moi? C'est Marlon. Ok, Marlon.
Marlon, on va pas se baiser ici. Ah oui, bah oui, ouais. Venez pas ici alors. Bah, je sais pas, vous venez dans mon quartier. Mais non, mais tu connais Miguel comment il est. Non, moi je le connais pas, ce cabron. T'es qui toi, Marlon? Moi? Oui. Oui, t'es qui? Le Hustler des Ballas. Le Hustler? Et là, 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 je suis OG. C'est le. Le You. Ah, il est pas de fun. Là, là, je suis OG là. T'es le OG ou le Trip OG? Là, je suis OG. Il n'y a plus de Trip OG. Il n'y a plus de OG. Il y a OG tout court. D'accord, ok, ok. Mais pourquoi tu es pas la triple puta? Ça tirait mieux? Oh, Miguel, Miguel. Non, cabron? Pourquoi vous nous avez tiré dessus hier? On m'a demandé si tu pouvais venir habiter chez nous, Miguel. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et alors? Tout Marlon. Hier, il s'est passé que tes gars, ils ont tiré sur un bala sur Drift Motors, et du coup, ben, on les a pété et on leur a mis dessus. Oui, c'est ça, mais on va vous péter nous ce soir, tu vas voir, ils rodent des putas. Plein cœur de Groove Street. Vas-y. Les balles. On va vous niquer. On va se niquer. Oui, on va vous niquer. Non, on va pas se niquer, on va vous niquer. Oui, d'accord. Mais on verra. Oui, on verra. Oui. Et vu qu'apparemment vous avez sorti des Uzi, on va en sortir aussi, cabron. Sors des Uzi. Ah oui. Attends. Sors des Uzi, vas-y. Ah, vous voulez la jouer comme ça? Ça chie. Ça veut sortir des armes. Eh oui! Moi j'ai des armes aussi! Eh oui, cabron! Tu crois que t'as des armes? On a les mêmes en mieux, cabron! T'as compris ou pas? Eh ben on aura les mêmes encore en mieux! Dis-toi, ça j'en ai 3! Eh ben tu sors une AK, y'en sors 4! Cabron! Eh ben on va en sortir 6! Allez, on prend la voiture, on recule! Vous allez voir! Balas puta! Cabron! Viens vous baiser! Là tu recules dans le vide, Miguel. Ils vont prendre la voiture et ils vont monter dans la voiture. Tu vas voir s'ils reculent dans le vide. Eh oui, je suis trop malin par rapport à toi. Ouais. Voilà, et là ils montent. Ils rodent des putas. Voilà, t'as perdu Miguel. Laisse-moi conduire. Oh, vous êtes où le reste? Là, vous êtes pas encore là? Ils ont tous mal à la tête. Si. Non, ils sont devant. Armand, on t'a dit, Lorio. T'as vu, il te l'a dit. Moi, je sais faire. Pourquoi t'es rentré dans leur quartier? Ben, on les cherchait, ils étaient cachards. Dans leur quartier. Et alors? Dedans. Et alors? Ils se cachent. Ben, Armano, on veut leur faire la guerre, au moins ils vont sortir, ils le savent. J'ai envie de faire un braquage. Avec une AK? Non, pas avec une AK. Ah, y'en ai marre, je peux jamais sortir mon AK. Vas-y, tu sais quoi, tu veux? Oh, regarde, t'es secondo, tu veux sortir la AK pour le braquage? Sors la AK pour le braquage. Moi, les Armano, je suis pour qu'on tire. Après, vous faites ce que vous voulez. L'idée de Miguel, c'est tirer sur les poils. En gros, on les tue tous et une fois qu'ils sont tous morts, on part. C'est quoi ton idée, Oscar? Apparemment, t'as une idée. Ah, moi, c'est en mode, tu vois, l'autoroute là, l'ouest, derrière, ouais. côté plage, là-bas, là, il y a un tunnel. Tu vois le tunnel? Ouais. Là-bas, tu bloques tout, tu vois, on n'a pas le temps pour bloquer, c'est pas la peine de bloquer. Non, mais écoute. Mais non, j'ai pas fini. Et en mode, on prend une caméra, on prend tout ça et on fait semblant que c'est un clip de rap. Tu vois, tous ceux qui sont là-bas, ils sont pas armés et on ramène du monde. Moi, j'ai pas de contact. Ah oui, ta mère. Arrête. C'est un truc original, tu vois, qu'on a jamais fait. Sinon, moi, je te trouve des plans basiques, comme tu veux. Mais cabron de merde, là, du coup, on a assez de monde pour faire un clip de rap ou quoi? Moi, j'ai du monde, moi, dans mes contacts, si vous voulez. Sinon, un truc basique, j'ai des trucs basiques, si vous voulez. Et ton truc basique, c'est quoi? Bah, c'est simple, je vous montre des positions et bon. Il y a plein d'endroits, il y a des petits trous, je vais vous montrer où c'est. Et ensuite, vous rentrez, et vous prenez l'autre côté et vous y allez. C'est simple, ça va être simple. Ça va être simple, t'inquiète. Je vais montrer. Ok, bon, on va faire soit le plan normal, soit en terre. T'inquiète, Gato, je te... Allez, rentrez. Oh là, c'est un braquage. Rentrez. T'es manos, cabron de merde. De fils de pute. Lève tes mains, voilà, c'est bon, stop. Lève tes mains, voilà, doucement. Tu gardes les mains en l'air. Je ne veux pas te voir appuyer sur quoi que ce soit. T'as compris ou pas? T'as compris? Tiens, Camélia, tu es bonne quand ça vient. En plus de faire la cuisine un peu. Là aussi, très bien. C'est bien la cuisine. Vas-y, je les prends en otage. Tiens, mia amor. Tu sais t'en servir? Ah ben, c'est pas sérieux, hermano. Il faut que t'ailles les braquer. Tu vas les braquer et après tu truc. Allez, débrouille-toi. Non, retourne-toi pas. Te retourne pas, te regardes. C'est bien. Ils sont tout seuls, pourquoi ils lèvent les mains? Viens là. Tu fais les négociations? Non, tu fais les négociations. Ouais. Non, fais-les. Toujours, je fais la même chose. Fais-les. Eh ben, on voit quelqu'un le faire. Envoie à Douvo. À Douvo, il est fait. À
nouveau? Ouais, pour le testar. Si, y'en a, y'en a. Akil. Y'a qui là? Mais non, il est pas là. Ne tirez pas, ne tirez pas. Oui, venez, venez. Si, on va tirer! C'est toi qui vais faire les négociations. Okay. C'est toi qui gères les négociations. Toi, okay, tu baisses ton arbre! Pourquoi je mettrais mon arbre? Gros, j'ai parle plus fort! C'est ça, gros! Eh ouais. On peut négocier! Pourquoi je baisserais mon arme? Ben, pour que moi, il baisse mon arme! Ok, ah, ça tient. C'est comme ça, c'est comme ça, vas-y, vas-y. Arrêtez de rigoler! On rigole pas! On a dit qu'on baissait les armes, vous baissez? Gère, nous, on était petits! Vous discutez, c'est possible? Ouais, on va discuter, tranquillo. Ouais, vous avez notre négociateur. Ouais, c'est moi le négociateur. Ok, je veux une personne devant. Pas nous, moi plus. On veut le commandant. Tu vas venir, on garde les armes braquées. Attends, on veut le commandant ou on négocie pas? Le commandant, il est juste pas là, monsieur. Alors, on fait comment? Vous avez qu'un taser? On fait comment? On vous tue? C'est ça le projet? Il y a qu'un commandeur ce soir. Ok, bah si on négocie pas, on vous tue. Bah non, c'est une mauvaise idée. Comment ça, vous nous tuez? Ah non, pas être bonne idée. Non, mais on a dit on veut le commandant, on veut le plus haut gradé. Le commandant n'est pas là. Il est pas là ce soir. C'est qui le plus haut gradé qu'il y a? C'est le plus haut gradé. Inspecteur. Attends. Oui, Hermano. T'as de l'eau? T'as de l'eau à peu? Revendication. On veut le commandeur. Il est pas là actuellement. On va de l'eau aussi. Ah, vous passez pour le commandeur. Bon, en gros, écoutez, là vous êtes en train de m'énerver. Ils sont cons. Vous êtes en train de m'énerver parce que un coup vous me dites il y a le commandeur, un coup vous me dites il y a pas le commandeur. Donc vous me prenez pour un con. D'accord, vous me prenez pour un con. Il va m'énerver. Attends, pas tout de suite. Vous voulez qu'il m'énerve? C'est ça que vous voulez? Non, vous inquiétez pas. Mais gros coup. C'est de l'avoir, attendez. Ah non, pire le procureur. Cadet, mais derrière. Derrière caché. On va se coucher. Ah, c'est le MS. Il est où l'autre là? Oh, ils ont un hélicoptère et tout. Oh, ouais, c'est la guerre. Mais non, c'est des EMS, des hélicoptères. Ah, con quoi? Parce que je voyais en noir et blanc. Que j'ai trop fait ma tête. En train de l'appeler, attends. Pas trop. Allô, monsieur Michel. Oui, monsieur procureur. Oui. Oh, oui, monsieur procureur, il vient. Oui, dites à monsieur procureur qui vient, oui. Oui, la soirée, le problème. Oui, le procureur. Pas de nouvelles. Oh, le boyon! Voilà. Dites-lui qui ramène le procureur, oui! On veut que ce soit le procureur qui négocie avec nous, c'est ce qu'on demande! On veut le commandeur, plus facile. Non, le procureur, on a changé d'avis! Quoi? Bigwell! Oui! Ok. Là en vrai c'est bien. Ouais. Ah, donnez les bras, Tony. Ah bah j'ai le contact. Ça en est où le procureur? Tu prépares le terrain de tir. Oh là là, j'ai fait truquer Migo. En gros, on va faire des lignes. Ça veut dire il y aura quelqu'un qui sera positionné, qui va tirer, et après dès que lui tombe, ils vont avancer et il y aura un autre mec qui va tirer. Pourquoi t'as prévu que quelqu'un allait tomber? Et ainsi de suite. Je vous envoie par SMS. Il est beau. Vas-y, comment les hermanos? Moi je suis là, moi. Gâteau, mais tu peux pas tirer par là. À travers, je crois. Bah, tu veux que je tire sur qui? Sur vous? Je crois à travers, tu peux pas. Je crois pas, attends. Bah, attends, je vais essayer. Ok, parfait. Tu vois, regarde, première ligne ici, il tire, tac, tac, tac. Après, une deuxième chico, deuxième ligne, ici, il tire, tac, tac, tac. Tu vois? Ouais. Vas-y, parfait. Attends. Oh non. Oui, vite reblinder, par contre, tu peux tirer en bas. Ouais, tu peux tirer en bas, ouais. Mais c'est normal, ok? Ok. Ton art. Mais pousse-toi, Lorio! Ah oui. Mais attends, mais tu vas nous bloquer! Mais non, je sais ce que je fais! On va vous montrer les otages, calme, tranquille. Ah oui, j'ai senti. J'en ai marre! Lorio!
Oui. Tu peux me ramener un otage, tu lui montres qu'il est en vie, s'il te plaît. Ok, troisième. Lève-toi. Parfait. Non, 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 il faut pas qu'il sache qui. Vas-y, non, non. Comme ça, ils savent pas. Non. Non, dis-lui non. Miguel. Oui. Après, tu veux pas, on part en course possible d'abord. Et après, on tire. L'otage, on le laisse dedans, l'otage. Ok. Non, on rentre pas. On rentre pas. Pas trop sûr, on rentre pas. Oh, merde. Oh, monsieur. Oui. On rigole pas, hein. Là, un, deux, trois. Ok, 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 y'a aucun souci, y'a aucun souci. Ah merde. Ouais, t'as vu, là, il faut... Ouais, ouais, attends. Maintenant. J'ai question, moi. Et on va y aller de force, ça va faire mal pour vous, hein. Ok, bonne question. Non, non, non. Aïe aïe. Ça va Camilla? Tout bien et tout? Oui ça va. Mais t'es sûr de toi là? Non. T'as des noms là? J'arrive. Oui oui bien sûr j'ai des noms. Faites attention, il y a beaucoup de bruit devant. Faites attention. Oh, venez pile devant la banque. Vous venez pile devant la banque et rentrez dans la banque. Dépêchez-vous tout le monde. Tout le monde. Non, c'est vieux qui s'est mis, il se met dehors. 5 minutes, s'ils n'ont pas l'otage, ils vont rentrer. Hey, hey, toi, bouge pas, mets-toi là. Ça va pas taper la tienne. Madame, t'as entendu? Oui. Non, je l'avais posé. Non, prends, prenez tous vos armes. Ouh, ils sont beaucoup, hein. C'est le procureur? On a le procureur. C'est moi. Ok, c'est bon, il est là. Mais c'est pas lui le procureur! Si, c'est lui. C'est pas lui, c'est l'autre. Bah, fais-moi la procureure, on va pas choisir. Bah, si, bah, moi je voulais l'autre. Oh non, pas favorable. Bah, non, je veux pas, je veux plus. Bon, c'est plus moi qui fais les négociations, il me fait mal au crâne, lui. Je veux plus, je veux vraiment plus là. Le négociateur. Pardon. Ok. Pas le McDonald's, vous choisissez pas. Je vais, on sait jamais. Non, en vrai, je vais pas prendre de tête là. Il est occupé, il est pas là, il est malade. Vous avez c'est moi. Faux, il est... Mais il est pas malade. Bah, vous savez mieux que vous la santé du procureur. Vous êtes des malfrats, vous êtes des médecins. C'est pas nous qui avons parlé. Une fois votre gueule, je suis en rapport sur. T'es où, Hermano? T'es où? C'est les cadets. Moi je suis en position, moi. C'est des cadets. T'es en position où? Sur le côté. Je suis. En quoi? Fait, j'ai une automatique, ça veut dire que je peux leur mettre plein de balles au genou, tu vois. Mais bon. Non, vous pas. Oh, quand ça tire, tu les allumes. Moi. Ok. Eh, regardez. Ouais. Moi, vu qu'il est automatique, je vais dans le guichet et il peut tirer plein dans les jambes. Non, mais je pense que tu peux pas. Si, en bas. Mais pas en bas, c'est pour ça que ça rien que. Ça sert à rien qu'il y ait un nombre au pistolet qui soit là. Beaucoup. Vas-y, bah. Non, mais en gros, la première ligne. Oui, il y a beaucoup de balles. En gros, moi, je suis dans le guichet, ils peuvent pas me tirer dans la tête. Camilla, t'es prête? Il y a une automatique, ça veut dire qu'ils peuvent vraiment les arracher. Normalement. C'est tout parce qu'on prévu, normalement, oui. Moi, je suis en contrebas 2 et ils me voient pas et je peux tous les allumer derrière. Dans le dernier des cas, on a un otage qui est là, on ressort avec lui. C'est le dernier rempart. D'accord. Mets-le à l'intérieur, l'otage. Moi, je vais essayer de tirer par là. Non, pas toi, faut pas que t'ailles là. En gros, regarde. Parce que moi, vu que je suis à l'automatique, je vais pouvoir le tirer dans le corps. Toi, il faut que tu vises la tête. Ah oui, je vais mettre. Toi, il faut que tu te mettes là. Voilà, ici, comme ça. Et tu tires, mais sans te découvrir. Tu tires, tu sais, au... Non, pas comme ça. Et comme ça, ouais, je sais jouer. C'est bon? Voilà. Sors pas. Je te vois pas. Non, mais va comme si t'arrivais comme un bruit. Non, je te... Franchement... C'est bon, j'en ai marre, t'en essaies de négocier, on veut du tir un peu, non? Alors, on veut que... Je pense qu'on... Négoce... Poursuite... Attends, mets-toi comme moi, mets-toi comme moi. Que tu me vois pas. Moi j'arrive là. C'est moi, c'est moi. Allez, vous voulez que ça tire? Oui, on va tirer. Voilà, vas-y. Ok, vas-y, commence à tirer. Bon, les Hermano, je pense qu'on a 5% de chance de réussir, mais au moins, on se sera bien amusé, d'accord? Vas-y. Mets-toi en position, ça va tirer, mets-toi en position, prends ton arme. Gros, j'ai 15 balles, gros. C'est pas grave, attends, y'en a des balles de pistolet. Tiens, il va te donner.
Ouais, ouais. Attendard, attendard, attendard. Tiens, hermano. Ok, ok, cool, ok. Je veux pas savoir, je me casse pas, je veux pas savoir. Tu m'as tiré dessus? Ah, vous l'avez perdu? Vas-y, vas-y. J'ai une pulsion. Allez, bon courage, mes frères. Mais ça vous fait rire. Attention, non, non, c'est pas une bonne idée que je te mette là, non, si? T'inquiète pas. Tirez-vous pas dessus. Non, vas-y, tu quoi? Non, tu vas me tirer dessus, je sens. Vas-y, t'inquiète, vas-y. T'inquiète, Lorio, t'inquiète. Non, s'il te plaît, fais vraiment gaffe. Vas-y, 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 vas-y. Vous voulez lancer des MSF? Oui. Allez. Gâteau, t'es prêt? T'es prête? Gâteau? Oui. Gâteau, gâteau? Je sais pas s'ils peuvent mettre une gâteau? C'est dit, mais. Ok, tu m'as fait peur. Gâteau, sois là! Je suis là, je suis là, t'inquiète. On vous donnera tout ce que vous voulez! Par contre, on a pas votre temps. On se rend pas! On veut pas se rendre! À la star à volter! C'est Mani sur la radio, c'est Mani. Et on a un otage à l'intérieur. Ok, sortez les boucliers, sortez les boucliers. Vous sortez deux grands boucliers. Ça tire. Ils ont tiré, bon. Techniquement, oui. Vous avez le droit de rentrer. Oui, tire sur les boucliers. Lorio, Lorio. Ouais, ça tire, bouclier. Ça tire, Herman, on prend ta position. Bougez pas, laissez-moi, laissez-moi. On se met en rang derrière le bouclier. Lorio, sale bâtard, j'ai 3 millions sur moi. Bah, Hernandez, vous m'entendez? Prends ton arme en main, prends ton arme en main. Faites pas de bêtises, Hernandez. Vas-y Miguel, vas-y. Faites gaffe à pas me tirer dessus, hein. Là il y a une bonne position là. Non, 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 on tire pas, on tire pas, on tire pas. Il rentre dans la salle. C'est moi la première, c'est moi la première ligne, d'accord? J'ai fait exploser la tête à l'otage. Personne n'empêche de monter dans la voiture. Ça me fait rien ou pas? Allez, on négocie. Oh, dehors, si vous pouvez, faites-le. On va tuer l'otage! Dites-moi le feu vert. Non, c'est le feu vert là. C'est le feu vert là. C'est pas grave, laissez sans déconner. Nous vont... on va. Je veux. Quelqu'un veut. On va à la salle. Oh, attention sur le côté. Attention, fais attention, fais attention à toi. T'es toujours en vie? Oh, ok, bien. Tu en as eu? Allez, monsieur, je attends, attends, ça me court dessus. Ne bouge pas. Bah, ça me tire dessus, ça me tire dessus, j'ai touché quelqu'un. Vas-y, vas-y, vas-y. Radio, hermano. Je vais faire une action de éclat. Merde. Il est armé, il est armé. Devant en voiture. Si. Ils se sont barrés en voiture. Un pollo sans police, tu me dis. Et y'a le poyo, si je le vois gros, je le tiens dessus. La priorité c'est l'otage à l'intérieur, on prend l'otage à l'intérieur, c'est la priorité. Action d'éclat. Nicole, quand je te dis de reculer, derrière tu recules. Je sais, je sais. Et ma voiture blindée, elle est là. Regardez bien, j'ai fait l'action d'éclat les jeunes, suivez. Monte, monte dans la voiture. Y'en a tout un. Non, je le dis. Action d'éclat, mettez-vous derrière la voiture, les blindés. Calé, calé. J'arrive, j'arrive, bougez pas. Là, allez, mettez-vous derrière la voiture, les blindés. Compliqué au pompe, hein, je te le cache pas. J'ai pris de la coke là, je vois vraiment rien. Donc, cerner, pète pas les couillons, et ça va mal finir. Ça va faire des morts. Là, non. Ah merde. Ça va vous. Merde. Agent à terre, 10-99, 10-99. Allez, où est le deuxième? C'est bien, c'est bien. Deux voitures sur moi, deux voitures sur moi, deux voitures sur moi. À terre, à terre, je vous dis, je risque rien. Elle est blindée, connard. Agent à terre. Ah merde. C'est de la triche. J'en ai, je crois, 8000 balles. Dors, dors, comment dors, dors. Vous avez mis les deux cartons, côtés sur moi, ouais. Deux côtés sur moi, ils me suivent. Vous avez abattu un agent. Non, y en a un pas tout seul. C'est bien, super bien. Personne ne s'est tiré de mon côté. Gâteau, fais gaffe, gâteau, merde, c'est semi, il revient, je crois. Ah, mais ils sont tous derrière. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Non, non, recule. Arrêtez de tirer ma voiture, imbécile. Mets une grenade. Jette ta grenade. Jette ta grenade sur ta voiture. Voilà, parfait. S'il revient, tu tires la grenade. Sa mère, y'a des robots. Vous avez pas de grenade. Y'a quoi, c'est le robot? J'ai une grenade. Y'a un robot, sa mère. Y'a pas longtemps, y'a un robot. J'ai une grenade. Il en reste 3 à côté. M'en occupe. J'arrive devant si vous voulez sortir. Rendez-vous dans la voiture de policier. Sortez pas. J'ai une grenade. Sans les circonstances atténuantes, n'utilisez pas la grenade. J'ai tué le troisième boyos, cabron. Miguel, il y a des robots, il y a des robots qui arrivent, Miguel. Mais comment ça, il y a des robots? Non, il y a pas de robots. Il y a des robots. Je te jure, il y a des robots. Il y a des robots, il y a des robots. Eh ben les robots, si on leur tire dessus, ils. Ben non, ils font rien. C'est par balle. C'est ouais, c'est compliqué. Eh ben t'as pas une. Si je fais que 3 kills, il y aurait une IEM. T'inquiète pas. Vas-y, balance le hater. De l'eau, de l'eau. Il nous faut de l'eau. Pourquoi? Bah pour les robots.
L'incendie, oh, l'incendie. Trois agents à terre sur le braquage de la banque. Faut que je fasse gaffe à mes balles. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Gâteau, fais gaffe. Oui, Gâteau, fais attention. Gâteau, je te jure, tu vas te prendre une tête bêtement. Attends, vous tirez pas, y'a rien, t'inquiète. Oui, mais des fois, il tire, hein. Y'a plus beaucoup de balles. Ouais, mais en fait, c'est pas vrai, il fait semblant, y'a encore plein de balles. Y'a plus beaucoup de balles, les hermanos. Plus beaucoup de balles, je répète, y'a plus beaucoup de balles. Écoute, on peut faire avancer l'otage, hein, si tu l'otages. Rendez-vous. Ça sera un dernier recours, l'otage. T'en as eu, Gâteau, ou pas? Je peux, comment ça, j'en ai eu, je peux pas. Moi, y'en a eu 3 pour l'instant. Oh, dehors, ça se passe comment dehors? Ouais, ça tire. J'en ai eu 3 aussi, il en reste 4, je pense. Combien? Il en reste 4 ou 5, maximum. La grenade! La grenade, maintenant la grenade! Sortez sûr, s'il vous plaît. Demande de l'un des individus à une grenade. Je répète, l'un des individus à une grenade. Mani? Alors, Kayate. Ok, quelqu'un qui nous attend sur la radio, on a besoin d'aide! Moi ici, toi là, on les allume. Gâteau aussi. Oh, vas-y. Non mais, gros. Y'en a un, je le nique. Non, même, on tire comme ça. Tu vois ou pas? Tu tires pas comme ça. Tu tires sans sortir. Comme ça. Ah, ok, j'ai compris, ok. C'est pneu. Vous êtes encerclés, la sortie est fermée, rendez-vous! Rendez-vous, je vous dis! On se rendra pas! Rendez-vous! Dehors, tu veux en avoir encore? En fait, j'ai pas mon coaché, il faut que tu viennes me chercher. Comme ça, je suis dans la banque, l'hermano, on est dans la banque! Tu es sûr qu'il y en a pas? Tu es sûr? J'arrive. Mario, on a une voiture ou pas dehors? On en a une, on s'en servira bien! Écoute, si les robots ils arrivent, il y a une voiture qui les écrase, non? Ça marche! C'est ça, il y a le truc incendie qui est là! Logiquement. Ah, ça met de l'eau! Ça met de l'eau, non? Ouais! Non, mais ils vont pas rentrer, les robots, c'est n'importe quoi. On a besoin d'aide là sur le braquage de la banque. Okay. C'est des fous, ils ont des grenades, ils ont des armes à feu, ils tirent de partout. Ramenez tout le monde. Et si le procureur m'entendait, ramenez tout le monde. Des pistoleros, ouais, un peu, mais vraiment plus beaucoup. Hein. Ils ont plus beaucoup d'armes, on va pouvoir donner l'assaut, ils ont plus les munitions. Il m'en reste 10 balles de AK, il m'en reste 10 balles de AK, hermano. Il m'en reste 150. Je t'en donne 20, il m'a donné 20. On est plus que deux, hein. C'est bon, on est 10, gars, on est 10, vous m'entendez? Ils ont rien du tout, ils sont en train de ramasser le corps. Ils sont encore 10! Ils sont en train de ramasser le corps, là, tu vois. Vous voulez que je vais appeler le soir? Ouais, j'ai eu peur. Je vais appeler le soir! Appelle même ta mère, putain, je m'en fous, on se rendra pas! Rendez-vous, soyez raisonnable, allez, j'ai pas envie de mourir. S'il vous plaît, je fais le travail, déjà, ça me fait chier. Allez, vous avez... Attention! Collègue, il est là! Avec le sombrero, c'est le visage. Écoute, on va être obligé, hein. J'ai un fusil à pompe! Il a un fusil à pompe, par contre. Gros, je vais l'attenter, hein, si je mode les mecs. Ah, non, attention! Non, Je l'attends. Non, faut pas l'attenter, Mani! Ok, vas-y, tire dessus. Attention, hein! Vas-y, dehors! Oh, c'est vous qui pouvez nous sauver dehors! Vous voulez mourir, on te débile ou quoi? Tire dessus, t'inquiète, tu leur tires. Bah écoutez, stop! Ils ont un visuel ou pas sur l'entrée? Ils ont un visuel ou pas sur l'entrée? Je propose pour un pourparler, est-ce que vous m'entendez? Je sais pas, Mani, je te jure. Je propose une trêve pour un pourparler! Est-ce que vous m'entendez? Non, on peut pas se rendre! Ils courent dessus, recule! C'est une trêve pour un pourparler, ça veut dire comment? On a essayé de négocier, vous avez voulu nous baiser. Vous avez tué des ONS. On a baiser personne. Si, vous nous avez baiser. Je vous dis que j'ai plus baiser depuis mon âge, j'ai plus ma sexe-moyenne, je sais encore si je baiser ou pas. Alors pourquoi mon petit cul il est tout rouge si vous m'avez pas baiser? Mais j'en sais rien, pourquoi il est tout rouge? Je suis pas votre mère non plus, merde. Nulle part. Oh, mais trop bien, en vrai. Oui, c'est pour ça. Bon. Eh oui, hermano. Le chef, là, avec l'accent mexicain, que chaque fois qu'il parle, j'ai envie de me taper du guacamole. Écoute, on fait la négociation. Raciste ! Il n'y a plus de négociation, c'est terminé, les négociations. On a tiré. Maintenant, s'il y a des hommes qui rentrent, qui arrivent sur nous... C'est incroyable. Regardez le menu avant de dire... Il n'y a plus de négociation. Maintenant, s'il y a des hommes qui arrivent sur nous, on va tirer. C'est tout ce qui en est. Tire-lui dessus. Mort, c'est bon, je l'ai mis à terre. Je suis devant les gars. Tu as mis qui? Eh, ta vitre, elle est cassée. Porto. Sortez. Sortez.
Suis-moi, allez, 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 manique. Ok, d'accord, attends. Vous immédiatement. Ça fait du bien de t'entendre. Oscar au point com. Attends, on a vraiment réussi en tirant sur des... Attends, c'est pas fini, c'est pas fini, hermano. J'ai peur qu'il y ait des renforts qui vont arriver après. Il y a l'enclume avec nous, on a un procureur. Vous voulez qu'on fasse quelque chose ou quoi? Vous avez le procureur? On a l'enclume, ouais, il y a l'enclume avec moi, il est en train de me pitcher. C'est pas lui que je voulais. Non, c'est pas lui, on le veut pas. Eh, attends. On va négocier? On fait un échange de procureur? Non, c'est bon, ça suffit là, cabron. Tu voulais pas l'autre? Gâteau, ça te fait bizarre d'en avoir eu personne? J'en ai un seul, je t'ai tu veux faire une échange de procureur? Oui, vas-y, ok, parfait. Prenez l'enclume! Prenez Michel l'enclume! Prenez-le! On va l'échanger. Il était dans un véhicule blindé, je pouvais pas. Ouais, mais. Il fallait monter dans la voiture! Oscar, tu nous as sauvé la vie! Oscar, t'es très fort, hein, sniper d'élite. Et Camilla, tu as la plata? Qui en a eu beaucoup extérieur, bien. Camilla, tu as la plata ou pas? C'est moi, je suis dans le coffre. C'est bien, Oscar. Ça se voit, Miguel, il s'est régalé. Ah oui, moi j'aime bien, moi. De pollos, de merde! Moi. Ok. D'abord, Oscar. Oscar? Et bah, nique ta mère! On a tué combien, moi? Désolé! il a un dit dans la bouche. Non mais moi je suis avec lui, il est trop bien, moi il y en a eu 4. Oh. Salut. Ça va, clochard? Non, ça va pas, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des putains de fixes de bêtes qui ont abattu mon grand-père, donc Arrête. Grand-père. Ils ont tué ton grand-père. Oh, il était gentil, lui. C'est bon, nié. Il aimait bien ton grand-père. Avec le ring, vous devrez, hein. On l'aimait bien aussi. Oh, hermano. Hermano. Elwood. Moi. Elwood. J'ai fait quoi? J'ai rien fait. Elwood, tu dors? Oui, c'est où? Oui. Et dis-moi. Ouais, il aimait bien ton grand-père, dommage. Bah ouais, moi aussi, ils ont fait ça au casino, je sais même pas pourquoi. Qui c'est qui l'a tout? Des flics. Arrête. C'est lui, il avait le fusil des années 80. Enfin, des années 20 plutôt, oui. Ouais. Et il est mort? Bah, PMV, vu, ouais. Ah merde. Lui qui est mort, j'ai été voir au... Comment on appelle ça, à la morgue, là, le truc des morts. Oui. Ma grand-mère qui se fait arrêter, j'ai pas de nouvelles. Et ta soeur? Ta soeur Raputa? Ma soeur, bah écoute, j'ai plus de nouvelles depuis un mois, depuis que je l'ai dégagé de la maison, en fait. Elle fait la puta un peu partout, à droite, à gauche? C'est plus mes affaires, Miguel. Elle a dit qu'elle avait honte d'être une au lit, alors j'ai dégagé. Tu as vu, tu lui as tendu la main, tu lui as donné la force, tu lui as donné tout ton amour et tout ton argent. Et elle avait honte d'être une clochard comme toi. Clochard. Comment? On est pas des clochards, Miguel, il va falloir comprendre ça. Mais si, vous êtes des clochards. Ah non, on est des familles, c'est différent. Oui, des fermiers clochards. Gâté de Gâté du Sud, et pourtant. T'es un clochard. T'es un vagos en même temps. Vous êtes des clochards du Nord. Et toi, t'es un clochard du Sud. Ok, pourquoi pas. Bon, on doit faire une réunion. Oui, allez-y, bien sûr. Ah bah super, merci. Vous croyez en vous braquer? Moi j'en sais rien, on sait jamais avec toi. Non, on est gentard. C'est juste ta sœur, c'est une puta, sinon toi tu es un bon. Et à pied, ma sœur, si tu veux te venger ou j'en sais rien, fais ce que tu veux, c'est plus mes histoires, Miguel. Mais de toute façon, même si tu m'avais dit non, hermano, ça aurait rien changé. Eh bah, tant mieux que grand billet de face. Au revoir. Allez, c'est... Au revoir, clochard. Tu peux bouger les voitures? Tu vas y arriver. Au milieu de la route. Pardon, je crois que vous gênez un peu. Viens ici. Et tu m'y demandes du coup. Bon bah, jamais. Ou Mani, bah, attention, je sais pas. Au revoir. Tu vas péter. Je m'en ai deux. Ok, parfait, je t'envoie un message. Vas-y, comme ça, j'enregistre. Non, mais tu es qui, toi? C'est Akil. Aïe, arrête! C'est trop, arrête de me frapper! Pardonne. Ah! C'est toi la position? Ouais, ah non, ok. Bon.
On est descendu du véhicule et sorti mon arme, il a tiré dessus. Alors on attend quoi là en fait? Le départ il est reparti. Je sais pas. Et c'est on attend, vous êtes où le reste en radio? On arrive. Vous êtes là dans combien de kilomètres? Mais qu'est-ce que vous faites au parking central, bandijo de puta de merde? On a pris une coachée parce que je me sentais pas bien et je suis allé à l'hôpital. Alors comment ça se passe? Aïe! Bah tranquillou hein. Oh peux... jure, Rigoli va te niquer. On est là. Oh Akil. Ah, non vas-y vas-y, que je vois, tu perds tes couilles devant. Mais t'es fou. Ah oh, merde, viens ici, tu m'as frappé à moi. Tu m'as frappé à moi. Reste là. À moi tu me frappes. Descendard. Non, c'est bon. Descendard. Non, c'est bon, s'il te plaît, Miguel, s'il te plaît. Tu frappes le secondo des vagos. S'il te plaît, Miguel, non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu recommences, tu es mort, t'as compris? Tu m'as fait tomber mes lunettes. Ok, d'accord. Oh, des putas. Pourquoi je prends des screens, moi? Celui qui bat Miguel à la bagarre, il devient secondo. Eh gros. Tranquille. Je te promets. Quoi? Non. Regarde. Tu veux te battre avec lui comme ça là, avec son batte de golf? Non, moi je suis réfé, j'ai pas besoin de ça. Oui, c'est vrai. Regarde, il a une batte de golf. Mais oui, il a une batte de golf. Une batte de golf, oui, une batte de golf. Vas-y, laissez passer. De golf, de. T'es tellement à fond. Bon, qui veut être secondo? Et le premier. Quoi, c'est WrestleMania là? Vas-y, Gato. Vas-y, rentrez là. Il se prenait une balle tête instant. Mani, ouais, Mani, ouais, écoute ouais. Tu bats Miguel à la bagarre, tu deviens secondo des vagos. Attends, à la mano? Oui, à la mano. Si. Ouais. Si. Ok, Miguel, t'es prêt? Oui, et toi, t'es prêt? Bah, moi, je suis totalement prêt. Si vite? Pourquoi? Cabron, toi, tu veux être secondo, toi? Miguel, attends. Toi, tu veux être secondo, toi, ta mère? J'étais pas prêt, gros. Allez, relève. Attends. Gâteau, donne-moi la main, gâteau. Vas-y, viens, lève-toi. Attends, mais oui, je m'as fait sacrément mal. Attends, j'ai du mal à me relever là. Mais attendez, mais vous avez pas le procureur? Non, c'est pas nous. Ouais, il est où le. Je sais pas. Vas-y. Mais personne n'a le procureur, on est là pour rien. Mais allez, vous faire enculer. Moi j'étais à l'hôpital à mon côté. Par contre, il y a un autre. Si vous avez. Miguel à la bagarre comme. Essaye de le faire, vous passez. Aïe! Gros, mais c'est quoi? Mais. Aïe, mais tu es trop fort! C'est Spider-Man! Il va passer Spider-Man! Aïe! Ta mère! Il vous a. Kill! T'as compris? Qui veut se battre? Je me bats contre Spider-Man, il fait des trucs bizarres! Faites la queue à Kill! Fais la queue! Attends, Gato, tu veux te battre? Allez, attends. Portez-le. Porte-moi. Attends. Tu as perdu. Allez, dégagez. Suivant. Wesh, gâteau, t'es trop. Allez, essaye. Thiago, tu dois essayer, t'es obligé. Attends. Décale. Aïe. Allez, vas-y. Aïe. Oui. Cabron, c'est trop. Fou, aïe, c'est trop. Toi aussi, il te baise, Cabron. Toi aussi, il te baise. Toi aussi. Aïe. Oh, rentrez tous, c'est baisé-le au pire. Ok, c'est bon, je l'ai chopé. Je le baise. Aïe. Là. Attends, c'est Terminator ou je c'est quoi? Je vous encule, t'as compris ou pas? Reste par terre, toi. Hijo de Cabron. Allez, sortez, c'est bon le secondo, il est mérité, hein. Miguel, il a fait trop de descentes, c'est trop. Ah, tu veux me prendre en retraite? Aïe! 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 Prends son merde, prends! Voilà, Réfé! Ouais, mais pourquoi on va prendre? Aïe! Non, on fera pas! Attends, je te défends! Pardon, il va m'exploser! Mais pardon! Niquez tous vos mères, c'est moi le nouveau Réfé maintenant, t'as compris ou pas? mais attends, à quel point je l'ai tué, je te jure vraiment! Eh, mais j'ai. Akil, t'es mort? Mais non, il est pas mort. Non, merde. Du coup, on a pas le procureur. Mais je vous ai dit, j'étais derrière lui. Suivez-moi, personne m'a suivi. Mais c'est qui? C'est qui là? Aïe! Aïe! All bad. Voilà. Nouveau Réfé. Je crois qu'il est vraiment. Et toi aussi, t'es vraiment. Attends, je crois qu'il m'entend. Il m'entend là, non? Tranquille, ça y est. Ok, c'est bon. Vous êtes vraiment tombé dans les pommes, faut pas faire ça. Aïe. Faut pas faire cette technique.
Arrêtez. Regarde, après c'est moi, il doit tout faire. Non, non, arrête, je vois si tu te rapproches de Manu, calme-toi. Bon, du coup, Lorio, c'est quoi les bails? Bah là, on va aller niquer les balas. Voilà. Ah bah là, c'est trop chaud, hein. Par contre, il dépensait beaucoup de balles, hein. Attends, Camilla, elle est où, Camilla? Mon arme. Camilla, t'es où? Ouais, je t'ai passé mon arme pour aller. Ah oui, c'est vrai. Camilla, tu m'entends à la radio? Camilla. Tiens, hermano. Doit dormir peut-être, non? Bien vu, merci. Mais tu veux le procureur, Lorio? D'autres balles, hermano? J'ai plus rien. Pardon. Ouais, il dépense beaucoup de balles par contre, Lorio. Hein. Il y en a énormément encore dans le hangar. Surtout des balles de fusil d'assaut. Eh, Lorio, si tu veux, là, dans mon autre appart, j'ai encore 4 pistolets, là. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien, ça. Mais là, c'est... Oh non! Et sur moi, 5. Je sais que vous allez détester ce stage. On va avoir une descente, on va oublier de le faire. Venez, on va tout transférer au hangar. Vas-y, ça marche, vas-y. Je vous rejoins, je vous dépose et je vous rejoins, d'accord? Ok, on va faire ça demain. Mais de toute façon, les AK et tout, on les a où? Au hangar déjà. Mais voilà, y'a rien au barrio, c'est pas grave. Si, on a une tonne de coke. Et alors, bah tant pis. On peut pas les stocker au hangar, c'est un petit hangar, tu crois que ça rentre? Attendez, moi j'ai un ancien hangar, y'a rien dedans. Mais non, mais c'est pas grave, ça fait partie des risques. Ok. Bah oui. Mais là, vous êtes conscient que ça va partir en couille, il va y avoir une descente. Mais moi, il veut parler au commandant. Il veut aller au commissariat, vous me rejoignez après, d'accord? Ok. T'as dit quoi? Il veut au commissariat, moi, il veut parler au commandant, vous me rejoignez après. Ah ouais. C'est chaud, vraiment. Les poyos, par favor. On est plus poyos, mais dites-nous. Ah bah tant pis si vous êtes plus poyos. Y'a plus personne là, ils sont tous partis. Ils sont partis où? Ils sont partis parce qu'il y a plein d'agents à terre, donc ils sont partis. Pourquoi vous êtes plus poyos, vous? Le chef du département, c'est un fils de... Il nous a viré. Y'en a qui sont démissionnés. Le chef du département, c'est un fils de... Non. Un fils de lâche. Non, plus sérieusement, y'en a qui ont démissionné, y'en a qui ont été virés. Pourquoi? Y'en a trois qui ont été virés parce qu'ils ont ouvert le feu sur un individu qui avait ouvert le feu, là. Oui, normal. Viré, normal. Donc ils sont virés. Et moi personnellement, il y en a, ils ont démissionné. Cherchez l'agent de police, s'il vous plaît. Bah, ils sont tous partis. Oui, moi, je suis Poyos. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, hermano? On m'a volé mes chaussures. Ah merde, tu veux venir porter plainte? Ouais, je veux porter plainte, s'il vous plaît. Oui, venard. Qui c'est qui t'a volé tes chaussures, hermano? Bah, j'explique, j'ai trouvé une meuf sur Tinder. Il m'a envoyé des nudes et tout, je sais pas qui va voir. Oui. C'était un quartier bizarre, et ils m'ont frappé. Nique ta mère. Oui, d'accord. Ok. Il m'a fait une bichou. C'est toi. Il m'a fait une bichou. Mais voilà ta tête. Pourquoi tu as le dieu rouge à lèvres? J'ai du rouge babine. Nique ta mère. Faut voler mes chaussures, là, c'est du Air Force One, là, faut que je les retrouve. Arrête, ça me fait pas rire, je te rigole pas, là. Et t'as mis un coup de bouteille ou pas? Non, ils m'ont frappé avec des machettes. Après, ils m'ont forcé à prendre des drogues. J'ai dit, ouais, c'est mon pote. Je vais dire à mon pote Thomas, va vous enculer.